Coucou YouTube, je viens de rentrer de Noël, j'espère que vous avez tous passé un bon réveillon, vous avez kiffé. En tout cas, cette game est cool, découvrez-la, likez-la, aimez, commentez. Et lâchez un bisou dans les commentaires. Peace. Et le défi de G à poil, EG les gars, il va aller on va partir à la neige ensemble. En pleine nuit, je vais lui dire, sur les coups de 2h du mat, je vais lui dire, hey, grosse merde, à 4500 subs, t'as dit que t'allais courir à poil dans la neige et que c'est moi qui allais te filmer. Hey, je sortirai avec ma grosse doudoune et tout, et je le filmerai en train de courir à poil, cet enculé. J'espère qu'il se fera arrêter par les flics ou qu'il se fera taser par un agent de sécurité. Bref, j'espère que ça va se passer. Dans tous les cas, si ça se passe, les gars, soyez sûr que je prendrai la bombe au poivre du mec pour lui en foutre autour de l'anus. Ah, j'ai, il sera comme ça. Ah, je posterai la vidéo instant sur Twitter. Qu'est-ce que je suis en train de faire en parachute, enfin en hélico? Je suis con. C'est fou qu'il ait survécu à ça, l'hélico, non? Vous pensez que si cet hélico rencontre un palmier, comment ça va se passer? C'est fou. Ils ont modifié les hélicos. Maintenant, un choc frontal les fait plus péter. Mais attends, mais c'est incassable ou quoi maintenant cette merde? La 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 la, Yannou, Yannou. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a balancé. Attends. Son hélico a à peine touché le bord, il a pété. Et moi, je me bouffe des objets en frontal depuis tout à l'heure et il pète pas? Quoi? Merci Lutz, putain, pour le T3 des 9 mois. Lutz, regarde comment on gagne un goulag facilement. Ta famille, elle en pense quoi de ta game à 100 000 $? Ben, ils étaient un peu déçus. Ils se sont dit que je pouvais l'exécuter le dernier. Alors, vas-y. Qu'est-ce que t'as, Mika TV? Quel enfoiré. Oh. Alors, une seconde, chat. Regardez. Hop là. Et pourquoi elle fait pas de dégâts cette... Et pourquoi j'ai... Oh, j'ai failli crever. Et là, il s'est foutu le thermite. Oh, attendez, chat. Je peux plus glisser, chat. Je repeux glisser. Ok. Oh non, je vais au goulag. Fais chier. Quand on était kid, avec la sœur, on jouait à un jeu qui s'appelait Ratchet & Clank. Je sais pas si vous souvenez, c'est une sorte de belette. C'est... Qu'est-ce que tu fais? Mais il est horrible! Ah, allez, le mec. Mais quoi, mec, grosse merde, va, tu joues ta vie, là, à tourner autour de ça. J'ai envie de te chier dans la bouche. Mais genre, juste comme ça, tu vois. Et du coup, bah, je lui ai pris Ratchet & Clank pour PS5. Sauf qu'elle a pas de PS5. Et elle joue plus trop aux jeux vidéo. Et je lui ai mis un peu de sous-sous à l'intérieur pour qu'elle puisse s'acheter ce qu'elle voulait. Mais elle était giga contente. Et j'ai filmé sa réaction. Genre, elle est full déçue au début. Mais genre, elle cache un peu, mais elle a du mal, tu vois, elle est en mode...
C'est trop marrant. Juste pour ça, ça valait le coup de la troller, tu vois. Mich Mich, est-ce que juste par tous les hasards, est-ce que tu voulais, au lieu de dire mère, est-ce que tu voulais dire Quickscope, Micheline? 3-6 Quickscope, c'est ce que tu voulais dire? Genre ça? C'est de ça que tu parlais? J'ai pas compris, moi. Tu te suspends dans les airs, maintenant. Alors, c'est... Alors, les gars, j'ai tiré 3 fois plus de balles sur lui. Genre vraiment, j'ai commencé à tirer. Les gars, regardez. Vous êtes prêts? Attention, je commence à tirer. Il tire... C'est faux. Genre, c'est complètement faux. Oh, le script a chié. On avait exactement la même arme, tu vois. Donc, c'est là que tu sais que c'est impossible. Il tire à côté. Il tire complètement à côté, mais les balles connectent parce que c'est scripté, gros, le fight. Le fight était scripté. À quand un vrai jeu? Je sais pas, mais quand il sortira, on sera là, nous. Dans tous les cas, les gars, on est au goulag. Eh bé, mon grand. Eh bé. One more time, boys. You fuck you, bitch. Ouh, yeah. Eh, attends, je suis mort où, moi? Oh, c'est... Mais c'est impossible. Encore une fois. Les gars, regardez. Regardez, c'est encore... Il est niveau 1, c'est pour ça, regardez. Et ça recommence. Mais c'est... Ça fait 2 fois. Mais c'est faux. Genre, c'est faux. Je commence à tirer là. Genre, je les craque qu'il a même pas commencé à me tirer dessus. Y'a combien de balles qui passent à travers, les gars? Oh, crypto. Oh, putain, crypto. Toi, t'es payé. Oh, putain. Wouh! Mais pour Crypto du Love, chat! Yannou. Eh bé. Les gars, quand il y a marqué fermeture, on est d'accord que c'est dans 42 secondes. Je suis large encore, non? Là, je suis en train d'essayer de repérer quelqu'un pour tomber. J'ai 12 secondes. Je lui suis tombé dessus, les gars, comme la misère dans le monde. Allez, on progresse, les gars. Merci, Crypto, pour les 50 sub-gifts encore. Jeff, pour ton sub, bienvenue. Yannou. Yannou. Putain, les gars, la taille des rats qu'il doit y avoir dans ce genre de zone ici, je pense que mon taux de... Enfin, mon pourcentage de win est très bas. Parce qu'il y a tellement de dénivelé et de positions possibles pour ces rats que je suis incapable de tout checker. Regardez tous les détails qu'il y a, les gars, autour de moi, là, actuellement. Chat, je voulais vous demander, y a pas un loadout qui doit tomber normalement, zone 6? Comment t'as fait pour savoir que j'étais là, toi? Iman.
Tu ne me vois pas. Tu ne me vois pas, mec. Tu ne peux pas me la mettre. Putain, je dois courir vers le mec que j'ai crack. Ah, c'est pas marrant comme situation. Le sniper, il a pas l'air mauvais derrière moi. Parce qu'il a essayé de me backstab déjà tout à l'heure. Il a raté. Et là, il a réessayé et il a réussi. Il reste 4 personnes, les gars. Je pense qu'ils sont tous à ma gauche. Je dirais qu'il y en a un à 2 mètres. Vous savez ce que je vais faire, les gars? Le brain du gaz. C'est-à-dire que soit j'évolue par la droite, soit je laisse le gaz avancer, je me mets à l'intérieur du gaz, et comme ça, je baise le sniper qu'il y a dans mon bac. Ok. Ça doit être le sniper, il va m'allumer. C'est pas le sniper. Ok. Dieu sait comment, le sniper est à droite. L'autre mec est à gauche. Ce qui fait que les deux vont se focus sur moi. Sauf si je fais une rota complètement par la gauche. Si je fais une rota totale par la gauche, ils vont sûrement s'affronter les deux, puis après moi. Ah, sa mère, elle est où? J'étais juste là, frérot. Ouais, mec, c'est trop. Il m'a balancé 2 paralysantes instantes. Non, mais gros, oh là là. Oh, ouais. Ah, ouais. Ah ouais, le mec m'a repéré instant, double paralysante, frappe, il a gardé la hauteur, bien joué. Bien joué à lui. Ah, il voulait sa win. Il voulait sa win, mais stratégiquement, j'ai bien joué. Petit top 2, honnêtement, je le prends, les gars.